Jujutsu Kaisen, j'avais vraiment envie de vous refaire une tier list sur SNK après avoir lu le manga. Donc je sais que vous avez été beaucoup à me demander cette vidéo, vraiment beaucoup, parce que la première tier list sur SNK a été basée sur les trois premières saisons de l'anime, puisqu'à l'époque j'étais anime only. Mais si vous avez vu les récentes vidéos de la chaîne, vous avez pu constater que j'ai lu SNK, je connais donc la fin de SNK en manga. Même si apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi dans le dernier tome, Isayama aurait rajouté 8 pages, soi-disant avec des leaks un peu frauduleux que j'ai un petit peu de mal à croire, mais de toute manière ça ne changera pas mon avis sur tous les personnages. Donc évidemment je précise, si vous n'avez pas lu le manga, alors je ne vais pas spoiler. Je ne vais pas spoiler l'œuvre, mais évidemment mon avis sur les personnages va être, pour pas mal d'entre eux, basé sur ce que j'ai pu lire par la suite. Donc c'est ça qui va créer aussi une part de mon jugement. Donc je vais pas spoil, mais ça peut-être vous indiquer quel personnage devient intéressant par la suite ou non. Donc voilà, vous êtes prévenus, mais voilà, je ne vais pas spoiler l'histoire, donc si vous êtes anime only, vous pouvez rester, ne vous en faites pas, je ne vais pas révéler d'éléments sur la suite. Voilà, donc sur ce, on va commencer directement avec Reiner, et on commence fort, puisque là, on va direct dans mes personnages préférés. Pourquoi? Bah tout simplement parce que, peut-être que vous le savez, je l'ai quand même pas mal répété, même dans mes reviews de la saison 4, la première partie de SNK, moi j'aime beaucoup les persos qui sont très humains. Et Reiner, il a un développement absolument dingue, et c'est un personnage extrêmement humain, très torturé par ce qu'il a vécu. Alors voilà, par contre je peux parler éventuellement des événements de la saison 4, donc faut être à jour sur l'anime au moins. Mais de toute façon ça c'est à peu près logique. Donc voilà, avec déjà rien qu'à partir de la saison 4, c'était pas dans mes persos préférés, mais là ça l'est encore plus avec les scans, je pense. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce perso très humain. Qui fait ressentir, je trouve, beaucoup d'émotions. C'est un des persos qui est le plus torturé peut-être de l'œuvre. Ensuite on a Eren Yeager. Bon, un gros morceau Eren Yeager, hein, vraiment. Moi ça se joue entre mes persos préférés et le très bon, mais je vais mettre en très bon. Je pense que c'est pas un spoiler du coup, puisque c'est dans la saison 4, mais Eren va emprunter un chemin qui mitige, on va dire, on va dire que c'est sûr que c'est un personnage extrêmement intéressant. Cependant dans les tier list on est plus dans l'affectif que dans la qualité d'écriture. Il y a par exemple des personnages qui peuvent être super bien écrits, super bien développés, mais que on va détester, par exemple des méchants. Alors Eren c'est un cas un peu particulier, mais en tout cas pour le cas d'Eren, je le mets dans très bon parce que c'est objectivement un excellent personnage, et j'irais même jusqu'à dire un des personnages les mieux écrits de tous les mangas et animés que j'ai pu lire, c'est-à-dire un bon paquet. Mais en termes d'affect, donc pour toute l'affection que je parle pour le personnage, je l'aime bien, évidemment, c'est le personnage principal de cette œuvre, évidemment que j'ai de l'affection pour lui, que je me suis attaché pour lui, notamment les premières saisons, mais pas autant que pour mes persos préférés. Pour autant, c'est vraiment un excellent personnage, donc il mérite complètement sa place, et c'est un personnage de fou. Willy Tiber, alors Willy Tiber, je vais le mettre en bon, pour le discours, voilà, MVP du discours, voilà, force à lui, voilà, j'ai rien d'autre à dire, merci pour le discours, merci pour les travaux. Lady Tiber, je vais la mettre dans bon, mais en soi, Lady Tiber, je m'en fiche un petit peu, on va pas se mentir, mais le Titan Marteau est plutôt très stylé, très intéressant, donc je la mets dans bon, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Jean Christine. Bah Jean, il va dans très bon, il est pas loin de mes brefs. Ah là là, est-ce qu'il va dans mes brefs? Ah si, je le mets lui, je mets beaucoup de persos en fait, hein. Il y a vraiment d'excellents persos. Je vais le laisser dans très bon, mais ça se joue à peu de choses dans mes brefs. Excellent au niveau de l'affect. Au niveau de l'écriture, Jean, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste un mec qui était un peu un... J'ai envie de vous dire, c'était pas un loser, mais c'était un peu un feignant, un peu un mec banal, qui est devenu un mec courageux.
je suis un mec empathique. Donc, on revient sur le côté humain que moi j'aime beaucoup. Donc, ce qui fait que je l'aime beaucoup. Et également un mec d'expérience, un mec bien plus, avec beaucoup plus d'assurance, de classe, de courage. C'est pas révolutionnaire en termes d'écriture, mais ça marche vachement bien. Donc, j'aime beaucoup. Armin préféré, ça, je pense que. Ah, c'est logique, hein. Pareil, en termes de développement de personnage, on est sur quelque chose de très 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 bon, et en termes d'affect également. Donc ça ne pouvait que marcher avec moi. Également un des persos les plus humains de l'œuvre. Personnage, mine de rien torturé, mine de rien torturé. Et voilà, avec un. Il va passer vraiment. Lui, pour le coup, il passe du loser au mec super stylé, juste avec son cerveau et même son travail. Moi, j'aime beaucoup Armin, on ne peut pas détester Armin, franchement. J'aime beaucoup. Et mention spéciale à son discours de la saison 1. Si t'as pas les frissons dans le discours d'Armin en saison 1, c'est pas normal. Levi, bon allez hop. Levi, je pense que. Oh, je dis souvent les mêmes termes, mais là pareil, personnage torturé, personnage plein de classe, plein de charisme, personnage culte, mine de rien, du monde des animés et des mangas. J'ai pas vraiment besoin d'en dire plus, un background tout à fait excellent. Bon. Voilà, beaucoup de charisme, j'ai rien à rajouter, j'aime beaucoup. Mikasa, très bon aussi. Alors là, ça peut peut-être plus faire criser. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, parce qu'ils pensent que c'est juste une fille badass, etc. Moi, la relation qu'elle a avec Eren, je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. Et je sais pas, en fait, ce personnage m'a plutôt bien touché. Alors, c'était pas toujours le personnage le plus intéressant, je suis d'accord. Mais encore une fois, on revient sur le plan affectif. Et bah, pour moi, ça a bien marché, Mikasa, j'aime pas mal. Et puis les scènes où elle est stylée, bah elle l'est vraiment. Angie Zoé, très bon également. Désolé si sur certains persos je vais un peu vite. Il y a beaucoup de persos à classer et pas mal de choses à dire sur SNK qui, je le rappelle, est mon animé préféré. Donc voilà. Angie Zoé, bon. Angie Zoé, personnage mémorable également. Une personnalité assez forte qui fait que je pense que les gens l'aiment beaucoup et que je l'aime beaucoup. C'est vraiment sa personnalité décalée, ce personnage très androgyne et qui rajoute vraiment une petite touche d'humour et de légèreté dans le truc, donc ça fait vraiment plaisir. Niccolo, bon perso, relation très touchante avec Sacha, ça donne une belle scène, j'aime beaucoup, on valide avec confirmation. Connie Springer, notre cher chauve. Bah très bon, évidemment très bon. Et puis là, on est clairement sur le plan affectif. Est-ce que Connie évolue beaucoup durant l'œuvre? Bah pas plus que Jean. Il va toujours garder cette même personnalité qui lui aussi ramène de l'humour, hein, tout comme Sacha par exemple, ou tout comme Angie. Même comme Jean en vrai. Il va devenir plus badass au fur et à mesure de l'œuvre. Plus expérimenté, ce qui est logique. Mais ça va rester globalement la même personnalité. Donc ce qui joue avec lui vraiment, c'est l'affect et les liens qu'il va former avec tout notre petit groupe. Bon bah Sacha, pareil, exactement les mêmes raisons que Connie en fait. Évidemment une fin pas mémorable en vrai, mais une fin tout à fait triste qui nous a tous touchés, je pense que ça nous a tous mis les frissons. Bah c'était quoi? C'était l'épisode 5. C'était l'épisode 5 hein, de la saison 4. Ouais, personnage forcément le personnage le plus comique de la série qui décède hein, totalement, donc forcément. Ça nous touche, et puis voilà, tout ce petit trio-là, même tout le groupe en vrai, qui mine de rien, je me rends compte, se retrouve dans les très bons, il manque juste Armin. Voilà, moi, forcément, on aime tous Sacha. Flock. Pas moyen, parce que Flock, bon, déjà, il est insupportable, que ce soit en saison 4, ou attention, spoiler, dans les scans, il est tout aussi insupportable. Flock, ouais, moyen, parce que, en vrai, le personnage évolue, donc c'est bien, le personnage stagne pas. C'est un personnage, voilà, c'est pas le personnage le mieux écrit, quoi. Gabi, alors là, attention, c'est pas un spoiler, du coup je vous ai dit spoiler rien, mais avec les scans, très bon. Moi je suis désolé, vous pourrez dire ce que vous voulez, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, mais essayez de voir plus loin que ce qu'on vous montre. Essayez de vous mettre dans la peau, dans la tête du perso, et c'est là qu'on se rend compte que c'est un personnage tout à fait compréhensible. Et Gabi, je suis désolé, mais bah, j'aime beaucoup. Même sa relation avec Falco est juste magnifique. Et ouais, j'aime beaucoup, tout simplement. Je trouve vraiment, vraiment que c'est un perso hyper bien écrit et un des meilleurs persos même de SNK. Et oui. Et effectivement, les scans ont fait que j'ai eu cet avis-là, mais même avant les scans, même en saison 4, j'avais déjà à peu près cet avis. Historia, bon perso. Là, c'est pas plutôt pour le côté humoristique.
c'est plutôt pour le côté affectif et surtout pour le côté chaleur, chaleureux, voilà, petit côté chaleureux. C'est un personnage, surtout en saison 1 et 2, qui te faisait vraiment. Bah d'ailleurs, on a tous vu cette scène avec Reiner où il disait je vais l'épouser, tout ça. C'est le personnage qui mettait du baume au cœur au personnage et donc au spectateur. Louise, alors Louise, bah, premier perso qu'on peut mettre dans pas assez vu, je trouve. Voilà, rien à rajouter. Tout comme Marcel en vrai. Marcel, tu veux dire quoi? Bon, c'était un bon gars dans les flashbacks, c'était un bon gars. Il se fait bouffer, pas de chance. Voilà, je peux pas dire grand chose en fait sur le perso, on l'a pas assez vu. Onion Pocone, bon perso, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, honnêtement. Je trouve qu'il a vraiment ce côté sympathique, malchanceux aussi, je trouve, mine de rien, comme pour énormément de persos des SNK en fait. Mais il a vraiment ce côté sympathique que j'aime énormément, donc bon perso, on l'aurait peut-être pas assez vu pour le mettre dans très bon, je trouve. Mais ça reste un bon perso et très sympathique à voir à l'écran, j'ai bien aimé. Je vais le mettre dans bon. Parce que j'aime bien, je trouve intéressant, mais il manque peut-être un peu de personnalité. Tout comme Yelena. Yelena, exactement pareil. Comme Bertolt, alors rien à voir avec le fait qu'ils fassent tous les deux 2 mètres. Mais Yelena, c'est pareil, ça manque un peu de personnalité. Le personnage est intéressant dans les thématiques abordées, mais ça manque un peu de personnalité, ça manque un peu de nuance. Voilà. Itch, bon perso aussi. Bon, on l'a pas vu énormément. Mais c'est pareil, c'est le genre de perso où t'aimes le voir à l'écran quand il apparaît, t'es content, tu vois. Parce que c'est le perso, tu le vois en saison 1. Je crois que tu le vois pas en saison 2 et 3, tu le vois en saison 1, tu la revois en saison 4, t'es content, tu te dis voilà le personnage, il a évolué, tu la vois, tout ça, bon. J'aime bien Itch. Annie, très bon perso. Les scans, voilà, j'en dis pas plus, les scans. Parce que avant les scans, je l'aurais mis dans bon. Mais après les scans, je la mets dans très bon, je peux pas spoil. Avant les scans, pour parler avant les scans, moi je trouvais intéressant déjà son style de combat. Et alors là, du coup, c'est plus perso, mais c'est un personnage qui me rappelle des souvenirs en fait avec la saison 1. Je suis assez nostalgique de la saison 1, je vais pas vous mentir. L'époque où on ne connaissait rien sur l'attaque Titan, l'époque où on s'était pas fait spoil, l'époque où il y avait même pas encore eu la saison 2 et où on attendait la saison 2. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, je suis très nostalgique et donc ce personnage-là, je l'aimais bien pour ça parce qu'il me rappelle la saison 1, mais au-delà même de ça, avec les scans, ça va dans très bon. Si vous avez lu, vous savez pourquoi. Frida Reiss. Bah, je suis désolé, mais on l'a pas assez vu, hein. Je trouve. Kenny, bah Kenny plutôt bon. En termes d'écriture, c'est pas mal. En termes d'affect, y a rien. Mais en termes d'écriture, c'est plutôt bon. Erwin Smith. Bon personnage que j'aime bien, forcément. J'ai fait une histoire de personnage dessus. D'ailleurs, les histoires de personnages, je vais reprendre, je vous promets. Je vous promets, ça va revenir. Vous êtes énormément à me demander ça. Je fais une petite aparté. Vous êtes énormément à me demander les histoires de personnages. Je suis désolé pour le manque. C'est vraiment le manque de temps. Ça va venir, promis. Ça va revenir. J'ai des petits trucs en tête, ça va être bien. Elvin Smith, très bon perso. Je vais pas le mettre dans mes préférés. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est excellent en termes d'écriture. Et il a une fin, mon Dieu, mais une fin tellement mémorable. Sans doute la fin la plus mémorable en vrai de SNK, la mort la plus mémorable. J'adore Erwin, vraiment. Il est vraiment à 1% quoi d'aller dans mes persos. Bref, c'est juste pour. Voilà, ne pas en avoir trop dans les préférés, on va dire, mais Erwin Smith, gros respect à lui, renoncer à son rêve alors qu'il était vraiment à 300 mètres du rêve. Franchement, respect. Et puis, de toute façon, vous avez vu l'anime, vous comprenez tout ce qu'il y a autour de ce personnage, tout ce qui gravite. Ymir Fritz, donc là, si vous avez pas lu les scans, vous n'avez pas d'avis. Bah, je suis obligé de la mettre dans bon parce que c'est Ymir, quoi. Mais enfin, c'est bien Fritz. Mais bon, pareil, on l'a pas énormément vu, tout simplement. Pixis, pareil, c'est un bon perso. T'aimes bien le voir, il a un énorme crâne dans la saison 4. Ça fait plaisir. Yumiru. Bah, là, donc là, l'autre Yumiru. Ouais, bon perso. Je dirais pas la mettre plus haut. Mais on a tous bien aimé sa relation avec Historia, c'était cool.
y a un peu de développement derrière tout ça. Donc j'ai bien aimé. Et mention spéciale à sa transformation en saison 2 qui m'avait choqué de fou. Eh oui, à l'époque on connaissait rien. Kiss. Bon perso aussi, il a un petit peu de développement, mais on va un peu passer parce que c'est pas le plus intéressant. Alors que Falco, lui, va dans mes persos préférés. Si vous avez vu les reviews, vous savez qu'il est dans mes persos préférés. Parce que c'est un des seuls qui a compris le conflit en saison 4. C'est un des seuls qui avait la lucidité de se dire, bon, en vrai, c'est pas de leur faute, c'est pas de la nôtre, c'est juste dommage. Mention spéciale pour intelligence, pour gros cerveau. Voilà, merci Falco d'être malin. Voilà, tout simplement. Kurishayega, bon perso, voire presque très bon avec les scans en vrai. Hein. Presque très très bon. On va le laisser dans bon, mais presque très bon Kurishayega. Grâce au scan, je peux pas vraiment en dire plus parce qu'avant ça risque pas non plus fou. Vous verrez bien. Tina Fritz. Bon, on va les mettre dans bon. Mention spéciale pour avoir totalement bouffé la daronne de Eren. Et donc la nouvelle femme de Grisha. La symbolique est plutôt rigolote. Merci à Dina pour les travaux à l'épisode 1. Merci à toi. Kiyomi Asmabito. Bon, j'espère que c'est une blague. On s'en fout complètement de ce perso. On va pas se mentir. Je suis désolé, même avec les scans. J'ai bien saisi le perso, mais c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. Si, mais pas trop. En vrai, on s'en fout un peu. On va pas faire les. On va pas faire les. Je sais pas quoi. Tout ce qui est délire autour des Asmabito, c'est pas ultra ouf. Udo et Sophia, je les mets les deux ensemble. Udo et Sophia. C'est pour le côté affectif, pareil, c'est pour le côté émotion, même j'ai envie de vous dire que je vais les mettre dans bon. Des personnages assez. Pas très nuancés au final. Donc, c'est pas les persos les plus intéressants, mais pour le côté affectif et émotionnel, on peut pas les mettre dans moyen ou dans mauvais, quoi. Pinkfinger, très bon. Pic, bah oui, c'est validé, Pic. Parce que. Elle, pour le coup, elle a une personnalité, et ça, c'est cool. Et elle, c'est un perso nuancé. Ça, j'aime bien. J'ai particulièrement aimé sa phrase en saison 4, qui disait, en gros, qu'elle se battait plus pour ses camarades que pour son pays, au final. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça mettait de la nuance au perso. Donc, j'aime beaucoup. Polko, bon perso. Qui, lui, du coup, manque un peu de nuance. C'est un personnage assez droit. Un petit peu sur la même personnalité. Mais bon. Je l'aime bien. J'aime bien surtout son titan, on va dire. Tsekuyega, très très bon perso, vraiment. Super bien écrit, un des meilleurs persos en vrai, hein, de SNK, en termes d'écriture et de développement. Je me serais pas douté, en l'ayant vu en saison 2, 2 et 3. Je me serais pas. Non, c'est saison 3, je crois qu'on le voit. Ouais, saison 3. Enfin, fin de saison 2, début de saison 3. Enfin, toute la saison 3, pardon. Je me serais pas douté qu'il serait aussi important. Je pensais qu'il le ferait crever rapidement. Franchement, en termes d'écriture, c'est un des meilleurs persos. Et c'est un des persos les plus nobles. Alors, avec de grosses guillemets, parce qu'il fait quand même des sales dingueries en saison 3. Mais dans les idées, c'est un des plus malins. Avec Falco, je trouve. Colto. Ouais, il est sympa. Allez. J'ai failli le mettre dans pas assez vu. Mais en vrai, si j'ai mis Sophia, Udo, même Dina dans bon. C'est qu'on les a assez vus, donc ouais, Colto sympa, mais sans plus quoi. Enfin, je veux dire, on l'a pas trop vu. Théo Magath, alors Théo Magath, dans bon, je peux pas en dire plus. Les scans, voilà. Les scans, Théo Magath, c'est validé avec validation confirmée. Karla Jaeger, bon, là, on est sur la fin, donc ouais, Karla, tu peux pas la mettre dans autre part que dans bon. En vrai, tu peux pas la mettre dans moyen parce que bah, c'est la mère d'Eren. Et juste pour les émotions que l'épisode 1 te procure, évidemment, mention spéciale MVP, épisode 1. Merci pour la scène hyper émouvante qui m'avait scotché à mon siège quand j'avais 14 ans. Merci beaucoup pour les travaux. Voilà, après, y a pas énormément de choses à dire, quoi. Je veux dire, c'est la mère d'Eren. Elle a une personnalité de maman protectrice, mais c'est vraiment pour les émotions que on va la mettre là. Et Nidhogg. Non, pas assez vu pour moi, désolé. Hein, voilà, je sais pas s'il y a des fans du perso, je pense pas. Pour moi, c'est pas assez vu. Voilà, bah écoutez, on a une bonne petite tier list, je trouve. Je trouve que c'est pas mal. Évidemment, comme d'hab, c'est
subjectif, c'est mon avis. Vous pouvez avoir des avis différents, peut-être que vous êtes. C'est sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont mettre Eren dans le perso préféré. Ça veut pas dire que j'aime pas Eren, il faut écouter ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Si jamais vous êtes allé directement au résultat de la fin, s'il vous plaît, revenez au moment où je classe Eren avant de vous énerver. Merci, vous verrez que je ne fais que l'éloge d'un personnage extrêmement bien écrit. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui mettraient Gabi dans mauvais. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui mettraient Erwin dans les préférés. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Peut-être pourquoi pas votre top 3 de vos persos préférés de SNK. Je serais curieux de lire ça. Bon voilà, c'était une tier list que je devais faire après la saison 4, donc après la partie 2. Mais vas-y, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de persos qui avaient beaucoup de personnes, qui avaient lu les scans. Donc je me suis dit, allez, ça peut valoir le coup. J'ai très envie de la faire en vrai. Donc je trouvais ça intéressant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, toujours un grand plaisir de vous faire des vidéos comme d'habitude. Je vais faire en sorte de préparer pas mal de vidéos pour la suite. On risque de parler par la suite de Tokyo Revengers, à mon avis. Et évidemment, mercredi prochain, dans une semaine, Kimetsu no Yaiba, Mugen Train qui sort au cinéma, avec les cinémas qui réouvrent. Vous me connaissez, j'adore le cinéma, je suis trop refait que ça réouvre. Bref, je parle beaucoup, je sais. Donc merci à tous de m'avoir écouté, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour les abonnements, merci pour les pouces bleus. Et puis voilà, tout simplement, merci à tous, et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.